Namaste, welcome everyone to Namaste, bienvenue tout le monde au satsang aujourd'hui. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait encore autant de gens qui étaient ici et je suis très heureux de tous vous voir. Okay, come. Ah, d'accord, viens. Yes, that's good. Ouais, là, c'est bien. Merci beaucoup, Guruji. Merci à toute la Sangha et tout Sahaja. Je vous aime. Une chose qui m'attrape encore. Une chose qui quoi? Une chose qui m'attrape. Quand la peur s'élève, la peur reste quelque chose qui me rend vulnérable. Je peux connecter et ne pas me sentir séparé, mais il y a cette sensation qu'il y a de la colère. Un sentiment qui a quoi? De la colère. Et c'est très fort. Et la colère qui concerne quoi? Des réactions aux choses qui ne sont pas plaisantes, qui me dérangent. Donc quand les choses se dérangent, tu ressens de la colère. Parfois cette peur me fait perdre tout sens de ce que tu nous indiques. Tu agis avec cette peur? Oui. Okay. Je plaisantais, mais bon, d'accord. Vas-y, continue. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'il faut que je brûle. Actually, there are many therapies in the world, no? Il y a beaucoup de thérapies dans le monde qui peuvent nous aider à surmonter les colères et les obsessions, les choses ainsi, telles que tu le mentionnes, la colère et la peur, c'est une très grande chose à surmonter. Je ne sais pas s'ils y arrivent avec succès, mais ce sont aussi des expressions qui sont à l'intérieur de la conscience. Je vais vous montrer quelque chose de plus rapide qu'essayer de surmonter et une façon beaucoup plus compréhensible et plus facile qui dure et est efficace. Quand nous parlons de la colère, on est très bon à reconnaître la colère et la peur. Tout le monde peut faire cela. Mais personne n'inclut celui qui a peur, celui qui est en colère. Parce que si je vous demande la colère, qu'est-ce qu'elle inclut? Même certains disent j'ai peur de mourir ou j'ai peur de perdre quelque chose de très important. On comprend tous cela, mais très rarement, quelqu'un pose la question pour qui est vraiment cette peur? Parce que le réflexe est pour tout le monde d'accepter que c'est pour moi. Mais quand tu dis que c'est pour toi, normalement la plupart des gens croient cela. C'est s'approprier cette peur. Quand tu dis toi, peux-tu porter ton attention à l'intérieur et voir si tu peux vraiment pointer et observer ce qui a peur, parce que ce n'est pas accepter ou assumer ou prétendre que cette chose est pour toi, pour moi. Quand tu dis pour qui, peut-être pour beaucoup qui écoutent cela pour la première fois,
Vous pouvez être confus. Pourquoi poses-tu cette question ? Il est évident que c'est pour moi. Alors, il faut que on... Quand vous dites « c'est pour moi », vous acceptez le sens de votre « je » en tant que moi, la personne, parce que la colère et la peur, si c'est quelque chose d'habituel, si cela surgit fréquemment et qu'il semble que cela survient dans des situations particulières, donc si vous pouvez rester avec moi, le reste viendra plus facile. Questionnez ce sens « je ». Qui est réellement apeuré ? Commençons par là. Je dirais, la peur et la colère sont en majeure partie des choses apprises. Une fois, j'ai raconté une histoire très rapide. J'ai été invité, ce qui est rare, que j'aille manger chez des amis. Donc cette amie m'a appelé et voulait faire un dîner pour moi. Et quand je suis arrivée à la porte, elle a deux jeunes enfants, j'ai appuyé sur la sonnerie et j'ai attendu quelques secondes et un des enfants est venu, la fille. Elle devait avoir à peu près 8-9 ans. Elle a ouvert la porte et elle s'est mise à crier. Et elle a fermé la porte. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, le garçon est venu, il était un peu plus âgé. Il a ouvert la porte et il s'est mis à crier et refermer la porte. C'est vraiment authentique ce que je vous raconte. Je me suis dit, mais que se passe-t-il dans cette maison? Alors la mère, Carole, est arrivée, elle a ouvert la porte, elle s'est mise à crier et a fermé la porte. Vous ne croyez peut-être pas, mais c'est la vérité. Elle a refermé la porte, elle a claqué la porte. Je suis venue parce que j'étais invitée et je suis là. Alors, ils ouvrent la porte. Ils avaient un chat à trois pattes. Ça donne peut-être l'impression que c'est un film. Ils avaient un chat à trois pattes qu'ils appelaient Esprit. Et je les ai entendus appeler Esprit, Esprit, Esprit. Avant qu'ils ouvrent la porte, je dis, mais qu'est-ce que sorte de maison c'est ? Ils ont ouvert la porte et le chat est arrivé et il y avait en fait une araignée qui... descendait le long de la porte. Je ne l'avais pas vu, j'étais seulement là. Et eux l'avaient vu. Et alors, quand ils ouvraient la porte, ils ont ouvert la porte et criaient Esprit, Esprit. Et Esprit, hop, a pris l'araignée, a avalé l'araignée. Et alors, elle m'a regardé et elle a dit Mouji, entre. Donc, c'est vraiment une histoire authentique et j'espère qu'un jour elle viendra et racontera cette histoire elle-même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose d'appris. La fille a certainement appris d'elle, les araignées. Donc, les deux ont appris cela. Ce n'était pas nécessairement une peur. Bien sûr, il y a des peurs qui sont naturelles, telles des peurs qui sont même dans les nouveau-nés. Une peur naturelle est un bruit soudain, un verre qui se brise. Il y a une réaction. Ou la peur de tomber, il y a une réaction. Les autres choses, nous les accumulons au passé. Donc tu parles de cette peur que tu vis, ce je qui souffre de cette peur que nous prenons comme étant être notre nature fondamentale. Si je dis que celle-là n'est pas vraie, réelle, que c'est l'idée que nous avons de nous-mêmes, notre identité conditionnée.
Nous sommes beaucoup plus précoces que ça. De celui qui dit oui, cela m'arrive, mais personne ne doute de celui-là parce que c'est l'identité acceptée pour tout le monde. C'est comme si la conscience avait l'intention, quand elle s'est diversifiée en toutes ses formes, qu'elle prendrait l'identité de ce que nous appelons une personne qui est le produit du conditionnement et de ce corps, de la croyance de ce corps, et que tout ce que j'ai amassé et pris de cela, ce jeu, ce sentiment « je » est naturel. Le sentiment « je suis » symbolise la conscience. « Je suis » Je, conscience, existe. C'est ce que cela veut dire. Peut-être qu'on ne nous a jamais dit cela. Il n'y a pas de parents qui donnent le nom d'un enfant, je. Donc d'où vient le je? Tout le monde se mentionne en tant que je. Je crois en cela, je connais cela, je veux cela. Mais personne ne remet en question ce « je ». Tout le monde se réfère en tant que « je » fondamentalement. J'ai entendu aussi dire qu'au Japon, ils n'utilisent pas cette terminologie « je ». Je ne suis pas sûr. Mais cela est impliqué quand même. Cela est là, derrière toutes les pensées, les phrases, toutes les actions, le sens « je » est présent. C'est le premier principe de chaque langage. C'est le premier né dans chaque concept. Il ne peut pas avoir le sens de toi ou des autres sans qu'il y ait l'élévation du « je ». Si vous entendez cela pour la première fois, cela peut-être va prendre du temps. Mais ce n'est pas quelque chose de mental, ce dont je parle. Si vous commencez à reconnaître le pouvoir de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer et que vous arrivez à reconnaître cela par le vécu, cela fera une différence énorme, une différence énorme de la façon dans laquelle nous faisons le vécu de notre vécant, de notre existence et de ce monde. Cela est au cœur de toutes les envies spirituelles. Si vous connaissez le terme « connaissez-vous », ce n'est pas « connaissez-vous votre personne, votre personnalité » ou votre ego, c'est de reconnaître authentiquement ce que vous êtes. Donc, en parlant ainsi, nous vivons en grande partie pour l'idée que nous avons de nous-mêmes. Et l'idée que nous avons de nous-mêmes est en changement continuel. À un moment donné, nous sentons que nous sommes comme ci, comme ça, et que cela est ma façon de faire, et à un autre moment, on aura une autre version de nous-mêmes. Est-ce vrai, n'est-ce pas? Je me rappelle aussi, pour moi-même, où j'avais un afro et des chemises de hippie et des pantalons en pattes d'éléphant et des sabots. Quand j'avais pris une photo, j'aimais cette photo. J'avais pensé trouver mon style éternel. Et un peu plus tard, je ne voulais que personne voie cette photo. Donc nous sommes ainsi. Dans notre expression, dans la vie, on surmonte différents modes d'identité. Donc, quel est vraiment vous? Si on peut disséquer notre vie étant 30 ans et on prend une portion tous les 5 ans, une petite vidéo, et qu'on vous pose dans chaque portion, que penses-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu aimes?
et que tu compares, toutes ces vidéos prises chaque 5 ans, vous verrez alors que quelque chose n'est pas constant. Il y a quelque chose qui est constant. C'est cette vibration, ce sentiment « je ». Ce sentiment « je » est toujours présent. Mais par-dessus cela, le mental a mis des couches de différentes façons que l'on pensait être. Même quand, si je dis « je suis John », »,« je suis » n'est pas « John ». »,« Je suis » est la conscience. Tu dis « je suis John » et tu dis « je suis Jeff ». Si tu appelles John Jeff, John n'aimera pas cela. C'est toutes ces choses qui construisent ce qui est la culture humaine. Je ne suis pas contre la culture, mais je veux vous montrer cela. Le but le plus élevé pour un être humain est de découvrir la vérité de ce que nous sommes authentiquement. Cela peut être nouveau, mais cela est une connaissance ancienne. Il y a toujours eu des êtres sur cette planète qui ont eu une profonde reconnaissance et découverte de leur nature authentique. Ce n'est pas juste pour une poignée de... Parce que ce que nous découvrons est si fondamental que c'est la même chose pour tous. En dessous de ce qui est superficiel, il y a quelque chose qui est toujours là, stable. La spiritualité veut dire découvrir cela. Que vous vouliez appeler cela le soi divin ou la conscience pure, quel que soit le nom que vous vouliez y donner, mais l'essence est la même. Est unique. Cela peut paraître que j'ai divergé de cela, mais en fait, non. Je suis allé au cœur de cela. Vous pouvez échanger, que ce soit la peur, la colère, la jalousie, ou la peur de l'abandon, ou du rejet. Vous pouvez substituer toutes ces choses. Ce principe est que cela est souffert par quelque chose, l'entité qui vit dans votre mental. Je vais vous dire quelque chose en plus. Le sens « je » auquel je me réfère en tant que le premier-né est très changeant. Parce que le « je », Dieu dit « je ». On dit « Dieu dit « je suis ». On dit d'ailleurs que « je suis » est un des noms de Dieu. Mais le diable dit aussi « je suis ». L'ego dit « je suis ». Nous disons « je suis ». Tous les êtres sensibles ressentent sa propre existence avant tout. Et cette existence est indiquée par le sens « je, je suis ». « Je » veut dire « je suis conscience existe ». C'est le premier principe fondamental. J'espère aujourd'hui, d'une certaine façon, que l'on puisse décortiquer cela d'une façon pour que vous puissiez, que cela devienne une compréhension vécue. Donc, si je vous disais aujourd'hui, maintenant, qu'il est possible d'arriver à avoir une reconnaissance de ce que vous êtes authentiquement. Combien d'entre vous seraient ouverts à cela? Vraiment? Et je vous promets rien d'effrayant. La chose la plus effrayante, c'est notre ego. Notre ego, pour dire celui qui vit dans l'idée et essaye de maintenir quelqu'un, de trouver la vérité de ce que vous êtes authentiquement est la chose la plus belle. Donc, je vous dis dans l'invitation que nous écoutons ici, comme une méditation que nous faisons le matin, présente précisément cela.
Peut-être tu vas t'asseoir pour un petit moment et puis je te rappellerai si cela est nécessaire. Cela démarre ainsi. Quelqu'un vient et me demande, « Muji, s'il te plaît, j'ai entendu dire que tu pouvais m'aider à découvrir cette vérité. » Ma vie, de la façon dont je la vis, ne fonctionne absolument pas. Je ne peux contrôler mon mental. Cela est trop dur et trop fort. J'ai tant de difficultés et je ne peux arriver à l'harmonie dans ma vie. S'il te plaît, peux-tu m'aider? Je dis, voyons voir. Commençons ainsi. Quelles que soient les idées que tu puisses avoir, si tu veux vraiment trouver cela, sincèrement trouver cela, je vais te donner de courtes indications et après cela, je te poserai quelques questions. C'est ainsi qu'est l'invitation. Pendant ce moment très court, je vais te guider et je vais te demander de ne pas récolter des choses du passé. Il va falloir d'abord que l'on arrive à un espace où l'on évite de toutes les idées nous concernant, juste pour un court moment. Donc toutes les idées que tu as sur toi-même, tous tes souvenirs, toutes les choses auxquelles tu as cru et accepté, pour l'instant, je te demande juste de les mettre de côté et tu pourras les récupérer ensuite quand cet exercice sera fini. C'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui. Donc, mets tout de côté. Si tu peux imaginer qu'il y ait un petit trou dans ton talon et qu'on l'ouvre et que toutes les informations que tu as s'échappent par là. Imagine qu'il y ait un trou qu'on ouvre et que tout ce que tu crois et que tu as collectionné, comme de l'eau, hop, sorte de là. Tout, absolument tout. Même l'idée que tu as de toi-même. Juste pour la durée de ce court exercice. Tout, vraiment tout. Même l'idée concernant l'avenir, tes mémoires les plus douces, ton concept préféré, est-ce que tu pourrais suivre cela pour un instant? Je ne vais pas vous jeter de la poudre magique dans les yeux. Je vous demande d'être présent tout le temps. Donc tout s'en va. Même votre nom, même votre désir pour l'illumination, ce qui a démarré cette recherche. On met tout cela de côté et on laisse que tout cela s'écoule. Quand toutes les gouttes sont parties et que l'on essore ce qui reste et qu'il ne reste plus rien. Si tous les concepts, toutes les idées que tu as sur toi-même et sur la vie, toutes tes croyances et tout, tout cela s'est écoulé, pas directement sur la terre, on le met dans une bouteille parce que si jamais tu veux récupérer tout cela, tu puisses te le remettre, te le reverser dessus. Donc vite, vite, vite. Et disons que tu as vraiment coopéré avec cela et que tout ce dont tu peux penser, même ce sentiment « je », que tout s'écoule de ce corps. Alors, il reste quelque chose qui ne peut pas être enlevé. Tout ce que tu as amassé, et collectionner tout ce que tu as appris consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas, tout s'en va de ton système. Tout s'écoule maintenant. N'es-tu pas toujours présente? Je te demande de répondre à cela. Il y a quelque chose qui est ici. Mais ta personnalité est aussi partie. Ouf, partie. Tes souvenirs, toutes ces associations, ton passé, tes relations présentes ou futuristes, tout. Vite, vite, vite.
cannot be taken out. Il y a quelque chose qui ne peut être enlevé. Everything you can agree, everything can go. Tu as été d'accord, tout peut s'en aller. Mais maintenant, quelque chose est ici que l'on ne peut enlever. This that is here now, ce qui se trouve là maintenant, quoi que cela puisse être, je ne vais pas le nommer. Ici, on a la tendance à appeler cela ce qui est ou l'être-té. Parce qu'on en a donné, on avait donné d'autres noms et certains pensaient que c'était religieux, donc on a dit appelons cela ainsi pour quelque chose, un titre avec lequel on peut travailler. Donc tout est parti, mais ce qui est ne peut être enlevé. Et alors je te demande, n'es-tu pas là? Minus your story, minus all the things, everything is left. Sans tes histoires et toutes ces choses, quelque chose est là. I can call it pure awareness. Je peux appeler cela la conscience pure. Okay, let's leave it as the nameless one. Is here, whatever is here. Okay, peut-être laissons cela comme étant celui qui est sans nom. Il a fallu que je vous demande de tout laisser, inclut votre mental, vos connaissances universitaires, toutes ces choses. N'en parlez pas. Ne parlez de rien qui est du passé, de l'avenir et même du présent. Soyez uniquement ce qui reste. Tout le reste, on a mis de côté. Est-ce qu'on peut continuer à l'intérieur de cela? Ce qui se trouve ici, maintenant, does it have a name? Est-ce que cela a un nom? And each one I'm asking this question to. Je demande cela à chacun. It doesn't have a name. Cela n'a pas de nom. Is it an object? Est-ce un objet? So, does it have any shape or size? Est-ce que cela a une forme Make sure you're ou une taille? From some old idea you have. Assurez-vous que vous ne répondez pas d'une vieille idée que vous avez. Cela doit être quelque chose frais. That which is here. Ce qui se trouve ici. Can it be called light or darkness? Est-ce qu'on peut appeler cela de la lumière ou de l'obscurité? Non. Is it personal? Est-ce que c'est personnel? Is it male or female? Est-ce que c'est féminin ou masculin? C'est une réponse plus faible, là. Is it your belief? Est-ce votre croyance? Imagination, maybe? De l'imagination. Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de construire quoi que ce soit? Ce n'est pas votre imagination. Is it memory? Est-ce un souvenir de la mémoire? Is it religious? No. Est-ce que c'est religieux? Non. Is it philosophical? Est-ce que c'est philosophique? Is it a practice? Est-ce que c'est une pratique? Is it intellectual? Est-ce intellectuel? Can it fade? Est-ce que cela peut disparaître?
Vous comprenez ce que je veux dire par disparaître ou s'estomper, que c'est quelque chose qui est là présentement et qu'au fur et à mesure cela disparaît. Non, il ne peut pas être ainsi. A boundary for it? Y a-t-il une limite pour cela? The boundary, it does not exist. Et qu'au-delà de cette limite, cela n'existe pas. Et vous êtes vraiment sûr de cela? Acha. Is it created? Est-ce que cela a été créé? Is it more strong in one direction and less strong in another direction? Est-ce que cela est plus fort dans une direction et moins dans l'autre? I've asked this question before, I'm going to ask it another way. Was it more? Je vous ai déjà posé cette question, mais je vais la poser d'une autre manière. Est-ce que cela est né? Can it be destroyed or can it die? Est-ce qu'on peut le détruire ou est-ce que cela peut mourir? Are you sure within yourself? Êtes-vous sûr en vous-même? Okay, for now I'm going to ask one more question from you. Donc pour l'instant, je vais vous poser encore une question. Is it a journey? Est-ce que cela est un voyage? Ce n'est pas un voyage. How close is it to you? À quelle distance cela se trouve de vous? Est-ce que cela est très très près, intime ou loin? Where is it? Où est-ce que cela se trouve? Ici. Ici, c'est ici. Meaning where exactly? Ce qui veut dire quoi? Où exactement? Ce que je suis en train de partager avec vous, c'est ce que je partage avec autant de personnes, de gens qui sont capables de suivre cela. Cela s'appelle l'invitation. Donc je vais juste vous remémorer quelques-unes de vos questions. Vous avez dit, ce n'est pas un objet, cela n'a pas de forme, ni de taille, ni de couleur. Je ne vous ai pas demandé encore, est-ce que cela peut être malade ou déprimé? Ça peut être malade et déprimé. Donc cela ne peut pas être malade ni déprimé, cela n'est pas une philosophie. Ni un système de croyance, cela n'a pas été imaginé. It cannot fade. Cela ne peut s'estomper. There's nowhere where it is not. There's no boundary for it. Il n'y a pas un endroit où cela n'est pas. Il n'y a pas de frontière au-delà duquel on ne peut le trouver. Ce n'est pas plus dans une direction, comme si c'était à l'est et moins à l'ouest. Il n'y a pas de mesurement possible pour cela. It cannot, it was not born, it is not created. Cela it n'a pas, n'est pas né, die. N'a pas été créé, cela ne peut être détruit ni mourir. Does it have any beginning? No. Est-ce que cela a un commencement? Non. Die, cannot, no ending for it. Cela ne peut And pas then, mourir lastly, et ne peut avoir de fin. How long it will take you to get there. Et pour terminer, je vous demande combien de temps cela vous prendra pour arriver jusque-là, so à quelle distance cela se trouve. Vous avez dit, il n'y a pas de distance. Donc s'il n'y a pas de distance, all your responses are about you. Alors you. Toutes les réponses vous concernent, c'est vous. Whoever you are. Qui que vous soyez. You seem to have a name. Il semblerait que vous avez un nom, mais cela n'a pas de nom en soi. So again, I'm asking you, is this Donc une true? Fois de plus, je vous demande, est-ce que cela est vrai?
Now, would it not be strange? Would it not be a strange? Mais serait-il pas quelque chose d'étrange? Parce que d'habitude, si vous allez passer un examen ou si vous allez faire une entrevue, il faut que vous appreniez le plus de choses possible pour que vous puissiez répondre aux questions que on vous pose. Mais là, c'est différent. Je vous ai tout enlevé. Je vous ai dit, je n'ai pas besoin de vos connaissances, de votre mental, de votre passé. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle université vous venez. Pour avoir des millions de diplômes, cela n'a aucune importance. Vide, vide, vide. Afin que je puisse vous poser des questions que même les scientifiques ont du mal à répondre à ces questions. D'ailleurs, ils ne les posent même pas. Parce que très rarement, les scientifiques prétendent être ce qu'ils pensent être. Je vais demander de tout enlever. Il n'y a pas de fierté, rien de collectionné. Et je vous pose des questions qui sont de nature universelle. Et je n'ai vu personne comme ça en train de dire « Mais laissez-moi réfléchir ». Vous avez répondu avec ce que vous savez et non pas ce que vous pensez. Est-ce que mon évaluation est fausse? Comment cela peut-il être possible que vous puissiez répondre d'un espace de vacuité avec une telle conviction, une telle certitude? So, that's it. The exercise is finished. Donc c'est tout, l'exercice est terminé. How are you in this moment? Comment vous sentez-vous actuellement? Vos réponses sont justes, si how are you? Comment vous sentez-vous? How are you? Are you in a vérifiez intérieurement, comment vous sentez-vous? Disappointed state? Êtes-vous dans un état de déception? Is this a terrible discovery? Est-ce une découverte terrible? So if this is, so what I'm donc, saying, if it is, it means that it is like si cela this est, now, si cela est tel que cela time, est maintenant, like à n'importe quel autre moment. Si on avait posé cette question il y a 100 ans, est-ce que les réponses seraient différentes? Vous savez que certains vont dire vous êtes une bande de fous. Si les mêmes questions avaient été posées il y a 1000 ans, imaginez-vous que les réponses seraient différentes? Non. Et pourquoi? Parce que c'est le même. And a different one. Est-ce que c'est le même là et un différent là-bas? So there's variation in the expression. Donc il y a une variation dans l'expression, mais il y a une unité dans l'essence. Est-ce qu'on peut dire cela ainsi? Et c'est merveilleux qu'il y ait une variété. Parce que si je prends une fleur, même sur une fleur, chaque pétale est unique. Ce qui crée cette chose, quoi que ce soit, ne l'a pas mis dans une machine. Tout est unique. Et pourtant, l'essence n'est qu'un. Je ne sais pas si les fleurs, les chevaux, et les chats font ce genre d'introspection. Peut-être qu'ils font cela, j'en sais rien. On ne pourrait pas le savoir. Mais nous avons la capacité de faire cela, d'observer ainsi et de vivre cela. Et maintenant que l'expérience est finie, c'est fini. Est-ce qu'on peut s'éloigner de cette découverte et retourner à la vie de tous les jours, comme ça? Ou est-ce que cela est signifiant? Was it just an intellectual exercise?
Ou est-ce que c'était seulement un exercice intellectuel? Ou alors, est-ce que cela peut être une découverte? C'est la seule chose. Écoutez, il a dit, c'est quelque chose que l'on ne peut pas oublier. Et pourtant, je dis, nous sommes en train de découvrir cela. Mais alors, où est-ce que cela se trouvait-il toute notre vie? Donc, il paraîtrait que nous oublions. Mais nous sommes qui, ceux qui oublions? Sommes-nous selon dont on parle? Est-ce que cela peut oublier ou même se rappeler? Donc je dis, je suis avant l'idée que je puisse m'oublier ou que je puisse avoir le besoin de me rappeler qui je suis, que cette idée soit crue. Est-ce que cela a un sens? Je suis cela avant même que l'idée survienne que je puisse m'oublier ou que je puisse avoir le besoin de me rappeler qui je suis avant que je croie à cette idée, que je l'accepte. Parce qu'une fois que je l'ai accepté, que j'ai accepté que je puisse m'oublier, alors j'ai commencé à m'oublier. Je dis, pouvez-vous vous rappeler qui vous êtes? Ah oui, je me rappelle qui je suis. Donc avant même l'idée que je puisse m'oublier ou qu'il y ait le besoin qu'il faut que je fasse la pratique de me rappeler qui je suis cela. Et pourtant, il fallait que nous reconnaissions cela consciemment, parce que sinon, on continuerait à vivre dans le rêve de nous-mêmes comme étant une personne ainsi. Est-ce que cela est trop et qu'on fasse une petite pause pour que l'on puisse respirer, ou est-ce qu'on peut continuer un petit peu? Whatever we say, happens. Quoi que l'on dise qui se passe, has a context and cela a un contexte et du temps. Quelque chose se passe dans le temps. Êtes-vous d'accord avec cela? Cela a un début, une durée, et cela se finit. Cette chose m'est arrivée hier, cette chose m'est arrivée quand j'avais 16 ans, cela m'est arrivé la semaine dernière, cela m'est arrivé hier soir. Cela a un début et une fin. Donc maintenant, c'est comme si, si je pouvais vous demander de regarder à quelque chose, vous dites quelque chose s'est produit, en fait, ce quelque chose qui s'est produit est un jeu. C'est quelque chose qui se produit à l'intérieur. Huge, immeasurable space of a non-happening. Un immense espace qui lui-même ne se produit pas. Ce qui se produit s'élève et est perçu dans cet espace incroyable qui lui-même ne se produit pas. Est-ce que vous pouvez voir cela ou pas? Et donc le moment qui se produit se termine. Et ce qui ne se produit pas, rien ne se produit pour ce qui ne se produit pas. Est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prouver? Il y a tellement de choses apparentes qui se produisent. Si ce n'était pas pour la faculté de la mémoire, on ne s'en rappellerait même pas qu'ils se sont produits. Vu comme cela, tout est un nuage qui passe. Tout est comme un nuage qui passe. Cela se produit et oh, et hop, parti, disparu. Et quelque chose d'autre se produit et oh. But everything appears to be happening in the immensity of the non-happening. Donne l'impression de se produire dans l'immensité de cela qui ne se produit pas. Could I put it
Est-ce que je peux le dire que même le sens de vous-même en tant que personne est aussi quelque chose qui se produit, qui apparaît dans l'immensité de ce qui ne se produit pas, qui est ce que vous avez, ce que vous venez de découvrir. And memory seems to string these little beads together, you know, to make it seem l'impression de tisser ces différentes perles ensemble pour donner l'impression de la continuité. Votre expérience plus large est celle de ce qui ne se produit pas. Is the non-happening an experience? Est-ce que ce qui ne se produit pas est-ce cela une expérience? Are you recognizing the profundity of this discovery? Est-ce que vous reconnaissez la profondeur de cette découverte? Parce qu'on a mis beaucoup d'attention sur ce qui se produit. Mais ce qui se produit, c'est terminé. Tous ces événements sont finis. And if you don't know this, I'll et si vous ne savez pas cela, je vais vous dire ce qui pourrait se produire. Once I was in Brixton, in London, no? Une fois, j'étais à Brixton, à Londres, et je me rappelle, j'étais en train de pousser mon vélo. J'ai eu ce mal de tête qui est venu. Et je me suis senti, je ne pouvais pas être sur mon vélo parce que ça me mettait le mal de tête, ça rendait plus fort. Donc je poussais juste mon vélo. Donc une dame est venue, elle a dit, « Oh, Muji, comment allez-vous ? » Et j'ai dit, « En ce moment, j'ai cette espèce de mal de tête maintenant. Et... » Et juste je marche comme ça. Oh, est-ce que vous avez pris quelque chose? Non. Vous voulez boire un peu? Non, ça va bien. J'espère que vous allez vous sentir mieux. Merci. Donc, du temps passe. Je l'ai vue 6 mois plus tard. Hey Muji, comment ça va? Comment vous allez maintenant? Comment je l'entends, pour votre quoi? La dernière fois que je vous ai vu, vous aviez ce grand mal de tête. C'était il y a 6 mois. She goes, yeah. Ouais. I said, I know, I didn't have, that headache finished that day, actually. Le mal de tête s'est terminé ce jour-là. What am I saying here is that ce que je dis ici, c'est the que way mind works is like this. La manière dont le mental fonctionne est comme ça. Quelque chose est terminé. An impression of this. Mais le mental garde une impression de cela parce que ça l'enregistre comme étant important ou ayant du sens. Et ça n'a aucune capacité de mettre dans le contexte approprié en termes de temps. Parce que 6 mois se sont produits, il y a tellement de choses qui se sont produites pendant 6 mois, mais elle parle encore de ce moment-là. Parce que si vous avez le sentiment d'une douleur ou d'une blessure, ça peut être il y a 20 ans ou il y a hier, le mental le garde comme étant maintenant. Dès que vous rappelez ce nom, le mental ramène cela. Un nuage, vous ne pouvez pas le ramener. Un nuage passe et il disparaît. Mais vous avez pris une photo de cela. Parce que vous avez aimé ce nuage. Et vous voulez avoir une relation continue avec ce nuage. Le véritable nuage est parti, il dit bye. Il ne dit même pas au revoir. Mais quelque chose a gardé une impression de cela dans le mental et lui donne une longévité, une durée qui n'existe pas naturellement. Et on fait ça tout le temps. Ce dont vous venez de faire l'expérience au travers de l'invitation, je vous ai demandé est-ce que cela peut s'estomper. Est-ce une expérience? Toutes les expériences ont un début et une fin, tout comme les événements, de manière générale. Est-ce un état? Les états aussi vont et viennent. That which has discovered this, cela qui a découvert cela, okay, is this outside of it? Est-ce en dehors de cela? Is the discoverer or the discovering? Est-ce celui qui découvre ou la découverte un événement? Est-ce que la découverte de cela qui ne se produit pas? Est-ce que la découverte est un événement ou un non-événement. Je vous laisse avec cela pendant un petit moment.
There is something you can come if you have something relevant to say on this one. There vous pouvez venir si vous avez quelque chose d'important à dire à propos de cela. Il y a quelque chose à propos de cela. C'est tellement vaste, une compréhension vaste, que tous nos petits problèmes disparaissent complètement quand on les voit depuis l'endroit de notre découverte. Ils se dissolvent et disparaissent tant qu'ils sont vus. Le sens est donné à partir du « je suis ». Any significance of any happening that tout sens ou toute signification de ce qui se produit ou de ce qui est enregistré comme un événement ou en tant que quelque chose de vrai, il s'est vu depuis la place de la découverte qu'il ne peut, cela ne peut pas rester. Et donc, le seul vrai sens est dans l'endroit lui-même de la vacuité. Et la seule véritable sens est de continuer à se dissoudre dans cela. Est-ce que cela qui est le... Est-ce que cela le terrain de l'être? Est-ce que cela attend que quelque chose soit dissous? Continue un peu maintenant. Because we still have a dynamic je veux continuer un petit peu comme ça. Parce qu'on a toujours une existence dynamique. On est toujours conscient d'une existence dynamique. On est assis ici ensemble, qui est une sorte d'événement dans l'immensité de ce qui n'est pas un événement. Oui. Et on ne peut pas simplement « Oh, toutes ces choses n'existent pas et ça n'a aucun sens. » Est-ce que cela serait ce qui est vu, ce qui serait dit depuis cet endroit de la découverte? Est-ce que cela cause aussi tout ce fonctionnement et toute cette diversité? Et cela prend aussi soin de cela? Pourquoi vous demander de découvrir quelque chose qui est tellement absolu d'une certaine manière et dans un certain sens? Notre mental a été effrayé, parce que quand on a le sentiment d'être celui qui découvre, sans être sûr si la découverte va nous blesser ou pas, et l'aspect psychologique du mental a essayé de nous détourner de cela, si vous découvrez cela, vous n'allez pas être capable de revenir, ça ne va pas être bien, et personne ne voudra vous marier, et personne ne veut se marier avec un Bouddha, et il va essayer d'attraper quelque chose. S'il y a encore suffisamment de charges conceptuelles dans l'identité de la personne pour vous distraire, vous empêcher de continuer d'approfondir votre recherche. Maintenant, vous avez découvert cette chose. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui est effrayant à propos de cela? Est-ce que vous êtes différent de cela que vous avez découvert? Non. Vous voyez ce que je dis? Quand on a le sens de celui, d'une certaine manière, ce serait comme de dire l'événement devrait être avoir peur de cela qui ne se produit pas. Quand l'événement est vu depuis cela qui n'est pas un événement. Each morning, I find myself in the capsule of I. And each morning, I check. Tous les matins, je me retrouve dans la capsule du jeu. Est-ce que vous êtes à l'intérieur de la capsule ou à l'extérieur? Vous dites, tous les matins, je me trouve à l'intérieur de la capsule du jeu. À l'intérieur de la bulle du jeu. Mais êtes-vous à l'intérieur de la bulle ou à l'extérieur en regardant la bulle? Mais il y a aussi l'expérience d'être à l'intérieur de la bulle. C'est pour ça que les sages ont dit cela comme ça. Je suis à l'intérieur, mais en même temps, je ne suis pas à l'intérieur. Je fais cela, mais en même temps, je ne fais rien de cela. Je ris, mais en même temps, je ne ris pas. Je cours, mais je ne cours pas. Mais ça a l'air d'être un paradoxe. Mais maintenant, depuis cette compréhension, vous voyez que c'est OK, c'est
C'est un peu vrai. Vous êtes le non dynamique et aussi l'expression du dynamique. Le dynamique est dans le jeu du temps et du changement. Et le non dynamique est intemporel et éternel. Et cette découverte est largement manquante de la vie humaine. Quand je dis non dynamique, ça ne veut pas dire mort. Ce n'est pas stagnant. In fact, no concept can convey what it is. En fait, aucun concept ne peut transmettre ce que cela est. No. Est-ce que vous regrettez cette découverte? So, now, how does that relate donc maintenant, to the sense comment of the cela person we take ourselves to be in daily life, se rapporte au sens de la personne qui a toutes ces choses qui lui arrivent et j'ai pas assez d'argent et j'ai tous ces problèmes? In which comment that cela se... emerges? By discovering your fundamental nature, en découvrant votre nature fondamentale, the dynamic is now unfolding in front of a wiser. Et maintenant, la partie dynamique when se déroule devant quelque chose qui est beaucoup plus sage. The star of the movie was the person. Quand la célébrité du film était la personne, c'était un peu le bordel. En essayant, en faisant beaucoup d'efforts pour essayer de garder les choses et en équilibre et tout ça. Mais depuis le sens du non dynamique, qu'est-ce qui se passe? Les actions, les réactions, les interactions font aussi partie du déroulement spontané et naturel des choses. Ce n'est pas poussé par un conducteur personnel. Il va y avoir une réduction des interférences qui viennent du sens de la personne et de celui qui fait personnellement les choses. Ce qui est largement produit une vie beaucoup plus belle. La vie est belle. Mais seulement si vous êtes beau. Vous-même étant beau, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes libre des molestations de l'identité égoïque qui a tendance à être apeuré. Égoïque, a beaucoup de besoins, qui n'est pas inclusive, mais qui a tendance à être exclusive. Une fois que cela a été filtré de la conscience, ce n'est pas que le fonctionnement pur commence à se produire, mais il a toujours été là, mais maintenant il est vu. This illumination takes place in the mind where you come to higher states of consciousness. Au fur et à mesure que cette illumination se produit dans le mental et que vous arrivez à des états de conscience plus élevés, c'est le même monde phénoménal, mais vu depuis un niveau plus élevé de la conscience. Donc chaque étape que vous faites devient presque comme un plateau et que tout ce que vous voyez est vu d'un état plus élevé de la conscience. De manière un peu... Je dis qu'il y a une conscience 5 étoiles et une conscience 2 étoiles. Et c'est tout la conscience. Plus c'est évolué, ce qui veut dire quoi? Le moins votre conscience est affectée par la personne. Et ce n'est même pas que vous êtes tellement attaché vis-à-vis de ce qui se produit. Cela... Like grist for the mill somehow. Amène quelque But chose. It's not c'est comme du grain à moudre d'une certaine manière. Mais ce n'est pas fondamentalement signifiant. Le sens de celui qui fait arrive. C'est une opportunité pour reconnaître ce que cela pointe vers. En fait, il n'y a pas tellement de quelqu'un qui fait. La force vitale est ce qui fait les choses à l'intérieur de la conscience. There's the activity. Vous pouvez dire qu'il y a l'activité, les activités, mais il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui les fait. On a toujours été le sens de l'ego comme celui qui fait les choses. Parce que quand on a le besoin d'être un objet, on a eu besoin de créer une entité pour cette expression. It's a very subtle thing. I don't know. Prendre la responsabilité de cette action. Est-ce que quelqu'un peut voir ce que je dis ici? En fait, les actions se produisent, mais quelque chose vient et dit « Ah oui, je l'ai fait ».
I don't want to teach this, okay? I want to leave this to you. Je ne veux pas enseigner cela. Je veux vous laisser découvrir cela. Parce que la chose la plus importante a été, vous a été montrée. Et que si vous suivez, vous allez découvrir cela de vous-même. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas besoin d'étudier. Vous devez en comprendre les principes fondamentaux et le reste viendra quand cela est nécessaire. On a une façon différente dans les pays de l'Occident. On veut tout étudier, mais en même temps, on comprend très peu. Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui a tout compris, mais qui n'a rien étudié. Comment cette compréhension est venue ? Elle n'est pas venue d'un livre. Il y a une connaissance qui vient d'une forme de synchronicité. Quand l'ego n'interfère pas, c'est un alignement parfait en synchronicité avec le pouls du cosmos. Et il y a une connaissance qui est intégrale, qui n'est pas en friction, qui n'est pas contre le courant cosmique. C'est un avec cela. Donc cela, cela pourrait apparaître aussi pendant durant l'époque de Jésus, quand il parlait. Beaucoup de gens qui le connaissaient dans sa communauté, à Bethléem ou à Nazareth. C'était Nazareth parce qu'il l'appelait Nazaréen. Quand il parlait, les gens demandaient d'où a-t-il appris toute cette sagesse. Où est-ce qu'il a acquis toute cette connaissance? Comment se fait-il qu'il parle comme ça maintenant? Parce qu'il il a découvert son unité avec l'univers, ou il a découvert son harmonie avec Dieu. Et donc cette connaissance, Dieu n'a jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit. Est-ce que Dieu a étudié quelque chose? Cette connaissance est inhérente à l'existence. Mais on ne croit pas en cela. All that is hocus pocus, and much of the attitude since the birth of culture de l'Occident, on croit que tout cela c'est la sorcellerie un peu. With the birth of science and avec la naissance de la science, the faith in merely scientific discovery, et avec la croyance seulement dans la découverte scientifique, you know, religious thought or spirituality. Ça donne l'impression que la science a été tournée contre la religion et la spiritualité. Et en réalité, ce n'est pas contre. Mais de notre manière de penser, on dit « Oh, la science a nié l'existence de la spiritualité ». Mais en fait, non, ce n'est pas le cas. La science n'est pas capable de le prouver. Parce qu'à cause de là, on commence à ressentir que ces choses on partage aussi, c'est notre héritage humain, c'est inhérent à la conscience de connaître ces choses. Mais on ne donne pas suffisamment de valeur à cela. On donne beaucoup de valeur aux choses matérielles qui sont périssables. On donne tellement d'énergie et d'attention à ce qui est périssable. Et tout cela pour faire plaisir à un corps périssable. Et notre impérissable nature, et en même temps, notre nature impérissable, et on n'en est pas conscient, on dit, oula, mais ça c'est des superstitions et des croyances. Et on a tourné ça en tabou. Comment pouvez-vous être heureux si vous n'êtes pas conscient de votre nature véritable? On cherche le bonheur dans le monde du périssable, mais le bonheur est synonyme avec cela qui est impérissable. You want to say something still? If you want. Vous voulez dire quelque chose? Si vous voulez. Thank you. Just that what you have just showed to us is the highest. Ce que tu nous as montré, c'est ce qui c'est le choix le plus élevé. May we never bend down to pick up anything lower than this. Puissions-nous jamais nous agenouiller pour ramasser quelque chose de moindre. You have become yourself. Tu es devenu toi-même. Vous êtes devenu vous-même.
C'est une chose étrange à dire. Comment pouvons-nous dire que vous êtes devenu vous-même? Je dis qu'il n'y a absolument rien que vous devez faire pour être ce que vous êtes. Mais il y a quelque chose qu'il nous faut découvrir afin d'arrêter d'être ce que nous ne sommes pas. En réalité, il n'y a rien qu'il vous faut faire pour être ce que vous êtes. Mais il y a quelque chose qu'il faut que nous découvrions pour arrêter d'être ce que nous ne sommes pas. Thank you, Guruji. Thank you. Merci, Guruji. There's a story here. Il y a une histoire là. That makes stories everywhere. Qui raconte des histoires de partout. There's a story. Dans chaque forme, il y a une histoire. Et ces histoires. Like pinball machines. Se ressentent comme des balles dans un flipper. Tu sais, comme quand des fois ça fait ting 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 et d'un seul coup, whack. And that's a story too. Et ça, c'est une histoire aussi. The place from where I've been looking is a story. L'espace d'où j'ai observé est une histoire que j'ai crue. Est-ce que celui qui observe est une histoire? Oui. Celui qui observe est aussi une histoire. Qui sait cela? Ce que je suis. Donc quand vas-tu être ce que je suis? Quand je vais arrêter de porter mon attention à toutes ces histoires. Je suis déjà ce que je suis. Je comprends cela. Je saisis cela. Donc quand vas-tu commencer à être ce que tu es? Tu dis, quand je arrête de porter mon attention à toutes ces histoires. C'est vrai, en fait. C'est une façon de le dire. Quand j'arrête de porter mon attention à toutes ces histoires, alors d'une certaine façon, mon attention retourne à ce que je suis à l'intérieur, ce que je suis. Mais quelque chose comme un réflexe retourne et recommence à faire des histoires et continue à produire des histoires. Alors, qu'est-ce qui continue à garder la machine à histoire en route? Dis-moi, dis-moi. Je crois que c'est l'histoire que... Je crois que c'est l'histoire que je crois. Donc, ta réponse peut être, mais qui est-ce qui peut en avoir quelque chose à faire? Mais comme, tant que ça reste, oui, mais en fait, c'est parce que je continue à remettre de l'essence à l'intérieur et j'utilise le mauvais carburant. Ce sont des histoires. Quand tu dis... Ah, j'en ai rien à faire. Alors là, c'est fini. You don't have to fix it. Il ne faut pas réparer cela. Leave it, you see? How you mets ça de côté. Comment How mettre ça de côté? The story the invitation also? Comment cette histoire peut-elle survivre à l'invitation? Quand on écoute l'invitation. The mind wants to say, yeah, but you've done it already. You've done... No, but in the listening. Parfois, le mental veut dire, mais je l'ai déjà fait. Mais l'écoute reconfirme. Parce que de la même façon que l'on apprend des mauvaises habitudes par la répétition, on développe des bonnes habitudes par la répétition. Je dis, si tu marches pieds nus et que tu marches sur une épine et qu'elle se casse à l'intérieur de ton pied, tu ne peux la sortir. Tu vas peut-être attraper une autre épine pour t'aider à sortir ta première épine. Et quand tu enlèves la première épine, tu peux jeter les deux épines, n'est-ce pas? Tu n'en as plus besoin. Donc, les
certains concepts sont les épines pour enlever l'ignorance. Mais une fois que l'ignorance est enlevée, même les bons concepts peuvent être enlevés. Parce que ce qui est au-delà des concepts. Cela peut utiliser les concepts, bien sûr, dans notre fonctionnement dynamique. On doit agir et interagir. Et je veux dire cela parce qu'il y a certaines voix qui disent il faut rejeter le monde. Non, en fait, je ressens de l'amour. Beaucoup plus d'amour s'élève, un amour authentique, un amour qui est en soutien, un amour qui inspire, qui vient de cet espace. Et cela envigore et embrasse le monde entier. Pas de l'amour égoïste, pas du j'ai besoin, pas ce type d'amour, mais de l'amour qui génère, tel que ce jeu de la vie n'existe pas uniquement sur la planète. Dans toutes les galaxies, cela est soutenu par la même source. Il en est ainsi. Quelconque espèce que l'on peut trouver, cela est soutenu par le même. Et que tu veuilles appeler cela la conscience pure, ou le Dieu, ou la réalité, cela n'est pas offusqué par le nom que tu veuilles lui donner. Mais celui qui a vraiment découvert est heureux avec chaque nom ou avec aucun nom, parce que rien ne peut altérer la perfection de l'absolu. When we are conceiving of ourselves as mainly our characteristics, quand on se conçoit seulement en se basant sur nos caractéristiques et notre personnalité, on est comme des personnages dans un livre, et qui d'un seul coup ont l'idée, moi je vais pas être dans le chapitre suivant, et pense qu'il a le droit de dire je peux faire ce que je veux. Le caractère, le personnage est la création de l'auteur, de la perception de la personnalité. Mais il y a beaucoup plus que la personnalité à l'intérieur de ce corps. L'habilité est d'aller jusqu'à la conscience, ce qui s'est produit actuellement. Maintenant, vous pouvez voir. C'est comme si maintenant quelque chose observe de l'immensité et n'a pas besoin de se sentir apeuré à cause de ce corps. Parce que jusqu'à présent, nous avons été si ancrés à l'intérieur de ce corps que nous avons eu peur de le perdre. Ceci est un corps temporel. Mais à l'intérieur de ce corps se trouve l'intemporel pour un temps donné. Donc la tendance, comme dans ton cas, tu dis, parfois je vois cette machine à histoire qui raconte toutes ces choses et qui a tendance à faire ça. Mais maintenant tu es devenu consciente. Tu n'es pas juste happé à l'intérieur de ce mécanisme. Quelque chose est capable d'observer cela. Mais le plus tu observes avec détachement, le plus tu arrives à voir l'observation même. Est-ce que cela est trop technique? Est-ce qu'aller trop loin? On a l'habitude de faire le rapport de l'activité extérieure et des choses qui se passent. Et on oublie celui qui observe. Celui qui observe peut contribuer à ce qu'il observe. À cause de son propre tempérament
il peut créer plus ou embellir ou critiquer, et cela contribue à la qualité de l'expérience. Donc celui-là qui est dans la position du témoin, si le témoin a des caractéristiques aussi, alors il fait partie de la scène du crime. Son rapport n'est pas pur, il est contaminé par ses projections personnelles. Mais qu'est-ce qui est capable d'observer cela? Donc une vision plus profonde doit être connue. Elle est plus pure parce qu'elle est impersonnelle. Parce que quand nous arrivons au témoin impersonnel, alors c'est le vrai je. L'ego peut être aussi en relation avec le jeu, mais ce jeu devient de plus en plus raffiné et devient le jeu de celui qui observe. L'ego n'est pas l'ego, peut-être qu'il reste un tout petit peu d'ego, mais il observe l'ego. Mais même celui qui observe l'ego est observable d'un espace beaucoup plus profond. I want to share a little bit about, je voudrais partager un petit peu. You want to say something more? I just want to say, tu veux dire quelque chose en plus? Je veux juste dire merci. Very good. Seule ma reconnaissance me permet de disparaître. Your gratitude disappears you? Alone, yes. Oh, that is excellent. Tu as dit ma reconnaissance me fait disparaître. C'est excellent. Je n'ai pas entendu cela auparavant. Donc si la reconnaissance te remplace. I've not heard that expressed before. Je n'ai jamais entendu cela exprimé auparavant. Et cela laisse un espace immense. Very good. C'est très spacieux, très bien. Could it be that, I was talking with Est-il Krishna possible, je parlais avec Krishna ce matin, it would be like asking elle a observé, the c'est false, comme de demander à ce qui est faux verify the true, de vérifier ce qui est vrai. Rather than it is the true that recognize the false. Alors que c'est plutôt ce qui est vrai qui reconnaît ce qui est faux. Et de demander à ce qui est faux de devenir ce qui est vrai. Just has to remain true. Recognize the false. Non, ce qui est vrai doit demeurer vrai et reconnaître ce qui est faux. Ce qui est faux ne contribue à rien à ce qui est vrai. Thank you, Muji. Thank you. Merci, Muji. Of this. Yeah. Est-ce que je peux avoir un petit peu de ça là? Merci. I just had a conversation with friends, two days ago, j'ai juste eu une conversation avec des amis il y a quelques jours. How long it has been to, et juste cette réalisation de combien de temps. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus cette impression que j'ai eu une mauvaise journée ou quelque chose de mal se produit. Cela m'a fait réaliser combien de choses à changer depuis cette année que je suis là. Beaucoup de choses qui brûlent à l'intérieur ou être trop excité. Et c'est devenu tellement naturel ici. Je vous ai dit aussi avant, c'est tellement difficile de mettre des mots sur cela. Comment mettre cela dans quelque chose quand... Separate or definable anymore. Yeah. Parce que ce n'est pas séparé ou ce n'est You're pas right. définissable. It would be like trying tu as raison. It's like going to the ocean and c'est trying comme to, d'aller à l'océan. Et c'est comme voir une vague et essayer d'attraper la vague dans un bol et dire, oh, c'est une vague très belle. Regardez, vous ne pouvez pas le faire, ce que vous découvrez. J'ai beaucoup aimé ce que tu as commencé par dire. Parce que l'habitude peut continuer qu'on parle de ces choses. Et cela, ce n'était pas très bien. Et j'ai eu cette mauvaise journée. Et vous oubliez que vous avez surpassé toutes ces choses. La bouche parle. Ah, ces choses, je ne sais pas pourquoi ça se produit pour moi. Et quelque chose est à l'intérieur, et là.
What the hell is that about? You have surpassed de quoi est-ce que tu parles? But somehow vous l'avez surpassé. Mais d'une certaine manière, la chose. Maintenant, vous vous attrapez. Vous dites maintenant que je reconnais à quel point j'ai mûri. Peut-être que ça prend des fois quelqu'un d'autre pour vous rappeler de à quel point vous avez mûri vis-à-vis de cela. Pourquoi est-ce que vous parlez toujours de cela? Vous voyez? Donc, ce genre de. I don't know if you can call it a kind of vigilance, a quiet vigilance. Une sorte de vigilance, une vigilance paisible, pas une vigilance pleine d'efforts. Repousse les mensonges qui donnent l'impression d'être vivant et qui dit oh non, ce n'est pas vrai. Parce que ce qui s'est véritablement produit ne peut pas véritablement être décrit. Mais le mental veut toujours avoir quelque chose à dire. Mais en fait, ce que j'ai compris ne peut pas être transmis par les mots, mais quelque chose veut toujours parler. Donc il doit retourner en arrière. Parce qu'en réalité, ce qui est tellement profond que quand j'essaye de parler, je ne peux pas dire ce que cela est. You can only be that. You cannot. Vous pouvez seulement être cela. Say what it is. Say what it is. Vous ne pouvez pas être, dire cela. Vous pouvez seulement être cela. Suppose you could not you could not speak anymore. Imaginez que vous ne puissiez pas parler du tout. But you are totally awake. Et vous êtes complètement éveillé. Et il y aura toujours des êtres qui seront attirés par votre présence. On vénère les mots parce qu'on a l'impression qu'on est tellement doué avec notre langue pour parler des choses. Mais on communique à d'autres niveaux, plus que juste verbalement. Votre présence aussi parle. La qualité de vos mouvements et comment vous... Tellement de choses sont transmises et partagées depuis vous. Ce n'est pas simplement ce qu'on dit. On donne trop d'importance à cela. Donc, oui. J'aimerais partager quelque chose avec vous. I was living with a dog for 10 years. J'ai vécu avec un chien pendant 10 ans. Toute ma vie adulte. I left her alone for 6 months to be here in Sahaja. Et la première fois que je l'ai laissé seul pendant 6 mois pour pouvoir être ici à Sahaja. Et je l'ai amené en automne et il y a quelques mois elle est devenue très malade et très rapidement et elle est morte. Et la maladie est venue très vite et elle est devenue paralysée. De quoi est devenue paralysée? Ça a été quelque chose de très rapide et quelque chose tellement intense aussi pour nous. Et c'était tellement rempli de grâce. Cela nous a secoué. On a eu être présent chaque jour et chaque moment et on ne savait pas ce qui allait se produire. Et juste d'être là avec amour et j'étais tellement reconnaissante chaque moment pour être capable d'être le témoin de cela et d'être là pour elle et pour être capable d'être de la nettoyer et d'être là pour elle et de faire les choses basique de la vie. C'est comme si Dieu lui-même était là à chaque moment. Et je ne peux pas même pas dire quelque chose a grandi avec cela. Et je sais que je ne peux pas grandir. Et quelque chose a grandi. Le même est avec vous tout le temps. Mais on a tendance à ne pas le reconnaître. Sauf certaines fois où on a un stress important. Des fois, on dit que c'est presque impossible une réalisation parfaite du soi sans souffrance, sans des challenges profonds et des expériences fortes, parce qu'elles donnent la friction nécessaire pour que l'aspiration s'élève
que vous puissiez aller au travers de ce dont vous avez besoin d'aller au travers. Cela a été ressenti comme une bénédiction de faire l'expérience de la vie avec toutes ces différentes couleurs si profondément et ne pas être touché en même temps. I'm just so grateful, Guruji, to Je suis tellement reconnaissante, Guruji. Also that I cannot put in words. Cela aussi, je ne peux pas mettre de mots dessus. Des fois, tellement de choses dont on a peur dans le déroulement de la vie, vous allez en faire l'expérience de manière très différente. Parce que la personne, le soi-personne, se délite petit à petit. And yet, as you express, et en même temps, comme vous l'avez remarqué, la compassion est très présente, l'amour est très présent. Comment tout cela peut être ensemble dans la même marmite, ce détachement? Des fois, on a l'impression que oh, je devrais ressentir la chose de manière beaucoup plus forte. Et on ressent que non, c'est très bien. C'est beau. Merci. J'aimerais réfléchir à cela. Merci. Merci Guruji. This morning I found ce matin, j'ai trouvé une pensée pour de la journée. So if you allow me to read it. Si tu me permets de le lire, cela a touché quelque chose très profondément intérieurement. Nous cherchons Dieu, mais il est derrière celui qui cherche, la recherche et la pensée. L'être qui attend la reconnaissance, mais qui n'attend pas. Qui comprendra cet indice? You got the clue. Tu as saisi cela. You got the clue. Tu as compris cet indice. Everyone should get this clue. Also, tous devraient être capables de recevoir cet indice comme étant le résultat de la guidance que nous avons reçue ce matin. Observez ce qui se passe une fois que vous êtes arrivé dans cet espace de cette reconnaissance vécue. Observez ce qui se passe avec votre mental. Est-ce qu'il dit « cela c'était super, mais maintenant il faut que je retourne à ma vie » Est-ce que cela le rejette ou est-ce que c'est vraiment honoré? Ce que vous pouvez appeler maintenant le remède pour tout, qui résulte à la dissolution de l'emprise du mental égoïque. Are you still wearing your mind? Continuez-vous à porter votre mental? And if it is, of course, you'll be able to detect. Si tel est le cas, bien sûr, vous êtes capable de détecter cela. Ou alors, vivons-nous en tant que ce soi mental? Je ne parlerai pas plus sur ce sujet. Il n'y a pas vraiment de mots pour en dire plus. Il y a en effet plus de mots pour exprimer. Oui. Merci. Thank you. I love you. That's something important. Je t'aime. Ça, c'est quelque chose d'important. Je t'aime et merci. Et tu es avec moi chaque seconde et chaque respiration. Je te remercie.
It doesn't matter how your mind feels. Ça n'a pas d'importance comment vos mentales se portent, c'est comment vous vous comportez vis-à-vis du mental. Le mental vient et fait plein de bababab. But it's how important you take that to be. Mais c'est quelle importance vous donnez à cela. You see, the psychological, vous voyez l'aspect psychologique, le côté le plus sombre du mental ne peut pas intimider votre pureté, ne peut pas intimider ce que vous êtes véritablement. Cela peut seulement attaquer ou intimider votre image que vous avez de vous-même, qui n'est pas ce que vous êtes. Donc depuis cette perspective, ce n'est pas une mauvaise chose que le mental attaque votre image. Parce que si votre image n'est pas vraie, pourquoi est-ce que vous la protégez tellement? Le mental fait son travail. S'il dit, si vous continuez à venir avec moi avec cela, je vais te mordre. Donc cette douleur devrait approfondir notre aspiration pour découvrir cela qui est vrai. Ce que je suis heureux à propos ici, il n'y a pas besoin de vous envoyer ailleurs. Ici, vous devez trouver. Ou alors vous tournez et vous enfuyez dans l'autre direction. Parce que des fois, le mental psychologique, parce qu'il devient très bruyant ici pour certaines personnes. Parce qu'ils ont honoré la dualité tellement que des fois l'effet est plus fort pour eux. Mais celui qui vient et qui est vraiment sincère, même s'il ressent qu'il y a, c'est relativement difficile de venir, il persévère et continue à vous regarder à l'intérieur. Et ils suivent la guidance et rapidement cela disparaît. Merci.